Dear participants, you have 15 minutes for your presentation. Reaching 12 minutes, we will just ring on the bell to remind you that you have 3 minutes left. Afterwards, we have 5 minutes of questions and answers from the members of the jury. Mogosson, mogosson, tiens mon photo. Parole d'un tonton, quand il exprime ce folio. Ce réalité, ce souffrance, ce l'homme lisier, ce malsens. Ce linge déchiré, bonne conséquence. Pauvreté. Guette de soulier, guette moli pied. Tout ni, puis embrasse coltor. Sac brillir, fais-moi perdre l'espoir. Dimanche s'arrêter pour qu'à manger. Bad bad béton, pas qu'on écoute pour rester. Assoir, que se médianise, pas qu'on écoute pour dormir. Tension, dimoun attaqué. Dans la rue, dimoun guettement travers. Sans famille, résister à cause bannirir. Dans la vie, chacun se bonheur. Allô, dis-moi qui faire. Mou pas besoin personne, zis un molton pour couvert. Mou pas blâme bon Dieu, quand il y a vraiment l'hiver. Tente les cœurs au combatté, mou dis à lui merci au contraire. Mou garçon, tiens mou photo. La sens qui m'a arrivé dimanche tantôt, qu'un biscuit dité gâteau. Mais la semaine pour te mener guerre d'îlot. Petit salaire, noyé dans l'alcool pour oublier la misère. Ou envolé comme un jojo de la caisse bookmaker, dit le robinet, canal la rivière. Côte pour baigner, fini dépasse 5 heures. Quand le soleil prépare à le coucher, moi ici, je mets loin de porter. Rôde un petit place en bas cathédrale, soit prégoté une mosquée. Fais un petit la prière pour protéger moi la nuit. Aïe, bon Dieu. Aïe là, comment je passe la journée. Je connais la vie, je pas payé pour aller. De toute façon, c'est là ou là qui connaît. De toute façon, bonjour meilleur pour approcher. Avant moi aller, mon garçon, tiens encore une photo. Bonjour. Comme je t'entendais, ça c'est une conversation qui finit maintenant entre nous et un dimoun qui reste sur la rue, un homeless. Je t'ai bien entendu dans sa conversation là, qui m'a un dimoun peut moquer, qui je peux bien et qui je peux non. Nous finit fait nous poser une telle façon qui nous finit tous majorité là-dedans. Voilà comment le projet Barefoot fin prend naissance. Merci. Pour commencer, le projet Barefoot est constitué de 3 projets. Le but principal, c'est de toucher 320 bénéficiaires qui peuvent vivre dans la misère et dans la souffrance. Et aussi, nous touchons à certains CDG, comme par exemple la Good Health et Wellbeing. Donc tout d'abord, dans le projet 1, nous y fait la rénovation de 3 toilettes. Et aussi nous construire une salle de bain. Nous mettons un chauffeur solaire pour qu'ils obtiennent de l'eau chaude pour être capables de manger bien. Dans le projet 2, nous faisons un survey. Nous faisons un survey pour connaître qui va nous dire un peu bizarre. Et dernièrement, quand je trouvais, c'est un pie chart, une base, nous refaisons comme le survey qui nous fait avec moi. Et aussi, nous faisons la distribution de main de rubas dans le centre de Marianne de la Paix et aussi au collège d'Islam. Et finalement, dans le projet 3, nous faisons la distribution de main de hygiene kit. Que de nos besoins d'affaires essentiels, comme par exemple brosse à dents et dentifrice, entre autres. Et aussi, nous distribuer 20 vêtements pour garder le chaud pendant le temps hiver. Et moi, je tout connais, je tout compte encore de propre, et surtout quand il concerne l'hygiène. Donc, là aussi, je suis capable de faire vite. C'est pour ça que nous venons en avant avec le projet de Barefoot, qui nous capable de subvenir à ce besoin. Mais derrière toute action, c'est un planning. Donc, je laisse mon camarade China qui vous cause l'implémentation. Bonjour à tous. Et effectivement, avant de commencer, nous utilisons préparer un plan afin que nous soyons capables de réussir classe, nous avons un travail et terminer à temps. Moi, je suis capable de trouver dans l'execution plan of the project. Et aussi, pour qu'il nous fasse de sorte qu'il nous fasse suivre le plan, nous utilisons un simple par un rôle à chacun d'entre nous pour qu'il nous tous nous involve. Et aussi pour ne pas gaspiller des temps et ressources aussi, parce qu'il est assez limité en termes de ça. Et ça va lier à mon chef de Mouda qui nous apprend dans sa couleur à travers Madame Margaret. Et vous m'avez capable de trouver vos responsabilités, nous allouer chacun d'entre nous, ce rôle et cette responsabilité aussi. Et nous faire une façon que chaque membre, tu peux dire un travail différent.
Et il y a plusieurs stakeholders aussi qui s'involvent dans cette église afin qu'ils soient capables de réaliser ce projet. Au cours de nos parcours, nous avons aussi développé certaines skills, comme par exemple sa carte élément de Daniel Goleman, qui est bien important pour qu'il nous forme pour venir avec les leaders de nos projets. Maintenant, on passe la parole à Somalia qui peut continuer. Donc, au début, nous avons beaucoup d'âge d'idées et nous avons des difficultés pour aussi choisir un projet qui peut vraiment amener un changement et aussi une place appropriée pour implémenter le projet. Concernant l'équipe, le fait qu'il y a 12 membres, donc 12 différentes personnalités différentes, il est assez difficile pour nous pour nous adapter avec chacun sur son travail et aussi pour ses motivations, coopération et communication entre nous, surtout qu'il y a l'époque d'examen. Et nous faisons aussi des manières imprévues, comme par exemple, nous expérimentons, qui finit tombe malade la veille qu'il commence sur le travail, mais nous restons avec tout ça. Mais tout problème est notre solution. Aïcha pour élaborer plus de façon qui nous réussit à adapter un groupe avec moins de problèmes. Merci. Maintenant, vous avez une idée, Robert, c'est quoi? Il faut aussi nous connaître que malgré la différence d'idées qui s'est là au commencement, nous tous, chaque membre d'entre nous, nous finit aussi d'accord sur le projet Berfruit. Parce que quand nous avons sur place, nous avons fait avec Thomas sans abri là, nous avons réalisé que le problème de ces noms, c'est tout concernant l'hygiène. Je pense que ça devait vous gagner. Et aussi, dépendant de mon équipement essentiel, par exemple, rasoir ou même ciseaux, pour se occuper de même, pour se garder propre. Donc, dès que l'ONG Mam s'en va, se finit d'accord pour collaborer avec nous pour la location de salle de bain et toilettes, nous finissons commencer le travail. Nous finissons aussi gagner l'occasion pour avoir avec Radio Plus, qui finit et nous gagner maximum de moins de matériaux. Mais en plus de ça, nous tenons ma contribution qui est indiquée au niveau individuel de nos membres, mais aussi au niveau de nos connaissances qui vient contribuer et qui aide nous. Ça fait permettre nous faire que nous travaillons avec nous tenons. Mais pour un travail comme la peinture, par exemple, nous-mêmes, l'équipe, nous mettons à la base, nous travaillons ensemble au là et ça fait aider nous minimiser nos dépenses et aussi être plus involved dans le propre projet. Mais tout ça n'est pas facile. Parce que la plupart du travail qui tient à l'eau du site pendant le mois de mai, que la plupart d'entre nous tiennent à l'examen. Donc, nous pouvons dire que nous manageons les temps, nous pouvons allouer différents time slots à différents membres pour qu'ils travaillent là et continuent malgré tout le moins de problèmes que nous pouvons faire face. Et aussi, finalement, au niveau communication, pour avoir trouvé sa bonne entente qui est là parmi nous, hein, qui va se faire comme ça, nous pouvons dire travailler l'eau là à travers le projet. Et aussi, trois corps. Trois codes de notification je peux faire à travers WhatsApp qui nous permettent chacun de nous membres de voir sa propre opinion, exprimer et donner des idées pour qu'ils nous gardent une collaboration entre nous. Mais nous faisons tout ça là, le projet Berfruit, il va pas arrêter là. Donc, Rony, vous pouvez avec vous un peu ce que vous plan pour faire dans le futur. Merci. Sustainability. C'est un concept qui nous peut être ça souvent de nos jours. Le concept limite la continuité, le développement, l'évolution. Qui peut arriver si demain l'équipe Pioneers n'est pas là? Qui peut arriver pour le projet Berfruit? Donc, pour assurer une continuité, nous nous sommes d'accord avec l'équipe MAM sans base pour qu'ils nous maintiennent le projet N, comme la salle des bains, ce point à la clé, comme un SDF, comme un homeless pour venir vers eux, je peux gagner accès de 6h du matin à 6h de l'après-midi. Quand je prends un bain à la demande, quand je peux aller vers l'équipe MAM sans base. Et aussi, ma toilette il peut aussi être disponible aux membres du public en général, si c'est envie, CF. Et nous bien connaissons qu'à travers ça pour là, tu n'as beaucoup dans les autres projets, surtout dans pour lui, que nous avons beaucoup de participants. Donc, nous nous disons qu'il fait nous pas essayer de travailler au bain là, pour nous faire un projet BFOOT à plus de l'avant. Donc, nous décidons. Par exemple, nous tenons à travers nous survey, nous trouvons qu'il y a un SDF qui a besoin d'un travail. C'est d'après PyChart, quand je t'ai trouvé, tu as là, ce besoin d'un travail. Donc nous tenons un projet pour lui qui appelle Tiboulou. Projet pour lui là, il fait deux mois de training avant
madame. Mais nous disons qu'il ne faut pas être bien maintenant. Nous disons maintenant comme ça, mais demain, training, man, SDF là aussi, côté artisanat, plomberie, maçonnerie, que d'autres cas développer, d'autres cas épanouir dans la vie et d'autres sortir dans un problème qu'ils peuvent gagner là. Et nous bien connaissons ici qu'il y a une SDF, ils ont fait face à beaucoup de dangers lors de la rue, surtout le soir. Et ils ont fait une blessure, etc. Donc, il y a un autre projet dans le public qui s'appelle First Professional First Aiders, que vous donnez une session à un automobiliste. Mais nous disons qu'il ne faut pas enlever les autres. Mais faire une ville vers une SDF, les dimanches, je donne un cours de faire à une SDF et aussi à un membre du public pour nous connaître, pour être capable de connaître, de maintenir une sécurité si un jour des mains ont une blessure, de faire un faire à plus. Et aussi, nous avons plusieurs, par exemple, Ripple Project, que nous ensurons que, par exemple, nous avons une distribution de sanitaire, que nous ensurons que ça continue, pas jusqu'à quand nous finissons. Le projet là fini même, nous projet. Donc nous allons vers nous devons nous maintenir un contact, nous allons vers pour nous maintenir la proximité qui nous est avec la SDF et continuer sa distribution là. Ensemble aussi, nous avons un réseau propre que nous pouvons distribuer manger les dimanches, pour nous avons un membre qui dans nous l'équipe pour aller avec la pour nous donner un coup de main, distribuer un repas chaud avant la SDF. Mais aussi, nous tenons l'objectif qui nous passe vers ce projet-là dans pour lui. Donc, nous contactons le scout, scout de Maurice, que nous pouvons discuter avec lui, nous faire un plan de travail, que nous pouvons décentraliser ce projet-là, parce que nous avons un SDF dans pour lui et dans plusieurs régions de l'île Maurice. Donc, nous disons qu'il faut, nous pouvons aller avec tout, nous essayer pour essayer de développer tout, essayer de tirer tout dans ce problème qui est là. Donc, je vous laisse la parole à Sadia pour continuer. Depuis nous enfants, nous tuons la question qui t'en vini quand tu vins grand. Docteur, avocat, professeur, mais non, nous l'a sorti pour montrer qu'il n'y a pas la langue qui n'a grandir, mais quand tu essaies et te procès avec un chili de venir. Me tonton, nous essayons à paix ou douleur, nous apprécions au courage, malgré difficulté, malgré oulase. Nous vins ont dit pieds ni, mais où vous faites ça tous les jours, malgré la pluie. Ou douleur, ou la paix qui nous fait face au sein dans les guerres. Me tonton, m'espérer ou apprécier nos efforts. Un petit zeste pour de nous un réconfort. Nous parler de la gloire zeste pour bon Dieu. Mais nous y espérer par une nièce qui nous récite dans nos difficultés. Merci. Merci pour votre attention. Vous pouvez vous donner une petite vidéo qui nous met en place avec la collaboration avec Radio Plus Intimité.
projet, qu'est-ce que c'est la plus grande difficulté et comment est-ce que vous avez ça? Bon, merci pour la question. Plus grande difficulté, difficulté nous vient pas tout. Mais plus grande difficulté, comme mon camarade Soumaya fin élaboré, il finit là beaucoup. Mais ND nous vient plus grand, puisque je vais trouver ce projet-là, il finit que nous assez beaucoup, nous faisons sa rénovation, là, tout ça. Mais le plus gros souci, c'était le côté funding, le côté sponsorship. Nous pas fini assez, au début, nous pas fini assez main-d'œuvre, nous pas fini assez casse funding pour faire le projet. Mais après plusieurs réunions avec même Radio Plus qui facilite sa transition là, ce qui fin même avec nos potes, ça qui nous gagne nos stipends, nous fin mettre un peu là-dedans, nous fin même ben family members, nous ben camarades, fin aide nous côté beaucoup, nous pas fin gagne casse pour capable référer à le projet portfolio et na les in monetary terms, mais majorité n'est neutre là-bas, majorité guitueuse, nous fin gagner au côté matériaux. OK, matériaux fin jouer un grand rôle, mais avec tout ça ben façon là nous fin réussir overcome. Juste, vu que je suis en charge de sponsor, je suis head of sponsor, pour ajouter à ce qu'il veut dire côté finance, nous avons beaucoup de problèmes. Nous tenons une page de 9 sponsors, nous tenons la liste de 9 pages. Côté là-dedans, c'est un seul qui nous répond, c'est juste Radio Plus. Là, ici, à travers plusieurs réunions qui nous ont discuté de nos projets, nous essayons de causer banana. C'est à travers tout ça là qui nous réussit à la fin. Réciter un sponsor pour qu'il sponsorise nos visions qui nous tiennent là. Juste pour une autre difficulté qui tient là, parce que nous bien téléphoné, nous bien fatigué là. Et là, dès qu'il nous répond nous gentiment, et là, dès nous un petit d'accord, mais seulement à la fin, nous réussissons à réaliser ce projet là grâce à Radio Plus. C'est juste ce qui me tient bien à vous. Merci, merci. Et deuxièmement, pour organiser le bénéfice, combien est-ce qu'il y a? Bon, comme mon camarade Sadafin souligné, nous finissons tous de pour lui, et là, ça aussi, il a dans le portfolio. Il y a un survey qui finit faire l'année passée et ben, l'année précédente. Il y a à peu près 320 homeless dans, pour lui. Ça, ben, homeless, ça, nous passons le lari, nous pas trop vite. Mais il y a, c'est-à-dire, il y en a des qui ont été types de homeless. Il y en a un sheltered avec un non-sheltered one. OK? La majorité, vous pouvez trouver sheltered, il y a plusieurs, même Caritas, abri de nuit, tout ça. C'est ben homeless, je suis dans la case, mais je finis, je gagne un abri là-bas. Mais il y en a dit, mon réseau là, mais il y en a à peu près 320. Mais ça qui nous finit, tu sais, il y a guette comment la salle de bain, toilette, tout ça là. Les open là, c'est tout. La majorité nous finit informe, nous finit informe, parce que plusieurs NGO nous finit informe, ben là, qui, voilà, ça, il y a une place pour eux, tu es capable de visiter, tu es capable de prendre de bain, toilette, tout ça. Même la main distribution qui est aussi ça. Et que le côté survey, nous finissons plus que 50. Côté distribution manzée, à plusieurs reprises, nous fait à peu près plus que 75, plus que 75. Et voilà, c'est un peu un chiffre qui combien nous bénéficiaire. Merci. Okay. Vous avez une derby, une deuxième facilité, un SDF, qui est très comment est-ce que vous pensez que ça va faciliter la présidence à l'État que c'est une demi-de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 
avant qu'il nous arrive à une conclusion qui va bien viser. C'est pour ça que je fais un survey, que tout le monde va nous guider sur le survey phone. Au fait, ça va, je te demande qui va qui se fait, qui cause pour aller comprendre et qui se fait en vise de viser pour qu'il commence à se faire réintégrer facilement dans le société. Et mais qui se finit de trouver, je te dis, je nous ai bien travaillé. Et là, je nous ai rejeté totalement parce qu'il faut se faire ou comment dire, parce que je suis assez confiante qu'il se fait un travail. C'est pour ça que mon Ronnie, c'est Tamela qui commandait, tu n'as pas de team, tu le team de pour lui, que tu collabores avec MCG pour comment dire, essayer de faire un training, une madame, que tu as un certificat MQA à prouver que ça facilite pour le travail. Mais nous aussi, nous pensons qu'il nous collabore exactement et en même temps avec MCC que nous pouvons provider un SDF, un certain training, que ça aussi, ça capte et Dieu, à un niveau, nous nous essayons de faire ça toujours, que ça capte et Dieu pour, comment dire, se facilement réussir un travail. Mais aussi, ça va être des tas qui nous gagnent depuis nous sommes là. Mon camarade Ether, il connaît un Dieu qui commence à nous voir quitter sa détail et bana. Que aussi nous mettons, comment nous contacter ban SDF là pour comment dire si on va comment dire bana aussi bana peut pas faire quitter ce sujet pour finir contacter ban SDF là. It says here that there are 320 individuals that are homeless in Paulus, right? Okay, c'est 320. Là-dedans, c'est 81%, c'est eux. Allez, d'accord. Pourquoi ça? Ça, c'est un côté statistique. Mais d'après nous, d'après mon service qui nous fait collecter, nous étant sur Getly, côté de la société, dans Getly, c'est plus l'influence ban missier qui, comme on dit, tombe de ban fléau, par exemple, la drogue, par exemple, côté, vous connaissez ban fléaux sociaux, tout ça, c'est plutôt ban missier. Et comme the outcome of the ban survey, démontrer qui, comme on dit, majorité, si ça ban problème-là qui finit à mener à ça, c'est majorité ban missier. Est-ce qu'ils ont pris ça à donner là en considération quand ils ont design ce ban projet, qu'ils ont fait et l'impact aussi de ce ban projet? Effectivement, l'étant nous fait distribution sanitaire kit, hygiene kit, tout ça, c'était nous mettre beaucoup d'emphase, c'est-à-dire plus côté ban missier, définitivement, que je suis capable de faire le projet portfolio. Mais nous pas même, nous pas un tigit madame, nous pas qu'à délaisser ban madame avec le tigit. Mais nous fin un peu proportionné, mais nous fin donne aussi ben madame cette santé liquide que tu n'as pas santé pad menstrual cup tout ça, mais aussi nous pas arrêter là, c'est à dire comment mon camarade est là fin causé fin dire comment what next qui peut être la sustainability, mais ben madame nous peut même être ben training que nous pouvons deliver pour the Ripple project, pour the Ripple project qui peut another Ripple project, c'était pour un training avec ben madame homeless, même pour open and des ban public tout ça là qui a joiné, mais majoritairement pour ben madame homeless pour expliquer comment je tiens s'intéresser pas et que aussi plus important et que nous pouvons une distribution menstrual cup, ok, comment je peux servir ça et que je peux je peux faire ça à plusieurs reprises on a regular basis. Okay, d'accord, merci. Je vous en prie. Thank you.